Seigneur, le Seigneur. C'est parce que tu es Dieu. C'est pour ça que ça fait des années pour nous aligner. Voilà pourquoi je t'ai dit encore une fois ce matin. Si je suis dans la joie, c'est parce que je sens ta présence en moi. Si je suis dans la joie, c'est parce que je sais que tu te tiens à la droite du Père. Si je suis dans la joie, je sais que c'est toi l'architecte de l'univers. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, ce qui la bâtissent travaille en vain. Si l'Éternel ne garde pas une vie, ceux qui gardent veille en vain. Merci pour ta présence. Nous savons que nous dépendons totalement de toi. De la manière dont le poisson dépend de l'eau qui est son environnement. Si tu t'éloignes loin de nous, Jésus, nous allons périr. Voilà pourquoi nous te disons à ma Père, merci pour cet instant que tu nous accordes. Nous voulons parler de ta part. Je voudrais que cette parole touche l'âme d'une personne. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent au travers du média, mais je voudrais qu'ils soient sauvés au travers de cette parole. Bénis ton peuple au travers de la parole. Merci mon Dieu. Je sais que nous sommes en confinement. Les gens sont dans leur maison, en train de suivre leur télé. Aussi, je voudrais, par cette occasion, dire à ton peuple que Jésus-Christ est vivant et il se tient à la droite du Père. Amen. Bénis ta parole. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Est-ce que tu peux me dire amen et acclamer très fort le roi de gloire? Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous allons parler de la part de Dieu. L'histoire que l'Esprit nous a inspirée ce matin, c'est l'histoire de Nicodème avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La conversation de Nicodème avec Jésus. Prenons nos Bibles, nous allons lire dans les livres de Jean 3. Jean 3. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il naître une seconde fois, entrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez bien aimé. La dernière fois, j'étais en train de suivre les autorités françaises. Ils sous-estimaient les coronavirus. Pendant que ce virus était en train de frapper la Chine,
Mais ce qui m'avait étonné en écoutant les autorités françaises, nulle part ces autorités n'ont fait référence à Christ. Mais ils ont plutôt fait référence à leur système sanitaire qui était vraiment approprié. Ils ont dit que nous avons des hôpitaux. Nous avons des soins de qualité. Amen, amen. Donc ils se sont plus appuyés sur leur système sanitaire. Mais ils ont ignoré une chose. C'est qu'ils ont ignoré que le monde, que l'univers que vous voyez appartient à quelqu'un. Amen, amen. Ce qui arrive dans notre univers aujourd'hui, sachez-le que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Amen. C'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre. Il est en train d'enseigner à l'univers que c'est lui le propriétaire de l'univers. Oui, sûrement, là où tu m'écoutes, tu t'attends à un miracle de la part de Dieu. Tu te poses des questions. Parfois, ce sont les mêmes questions que moi, je me suis posées aussi. Où sont passés tous les hommes de Dieu? Où est passé le pape que vous appelez souverain pontife? Où sont passés tous les chefs d'État les plus puissants de ce monde? Où sont passées toutes ces armées modernes que nous voyons au travers de notre univers? Où sont passés ces grands docteurs? Où sont passés ces grands chercheurs? Où sont passés tous ces riches? Amen, amen. Ce sont des questions que moi je me suis aussi posées. Où sont passés tous ces hommes de Dieu qui parlent des miracles? Venez parce que moi je fais des miracles et des boutiques au tact. Où sont passés tous ces hommes de Dieu? Laisse-moi vous dire ceci. Cette affaire concerne notre Dieu. Il est en train d'enseigner à l'univers que c'est lui le propriétaire de l'univers. C'est lui l'architecte. Voilà pourquoi la Bible dit que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale des larmes. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, nous devons nous appuyer seulement à une seule personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que j'ai suivi même en Europe les hommes de Dieu ont succombé de cette pandémie. Les docteurs ont succombé de cette pandémie. Les hommes politiques ont succombé aussi de cette pandémie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a les contrôles de l'univers. Amen, amen. En ce moment, il n'y a que le Saint-Esprit. Dieu sait qu'il est en train de faire. Il sait qu'il est en train d'enseigner à l'univers que c'est lui le propriétaire de l'univers. Amen, amen. Est-ce que tu peux me dire amen pour que j'avance? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Quelle était la conversation de Nicodème? Écoutez bien, bébé. J'ai dit, peut-être toi aussi tu t'attends à un miracle. De la même manière, Nicodème était préoccupé. La Bible dit qu'il est allé rencontrer Jésus-Christ tard dans la nuit. Amen, amen. Mais cet homme, c'était un docteur de la loi. Mais ce que j'ai compris, en lisant cette histoire, je me suis dit bien qu'il était docteur de la loi, mais il n'avait pas la révélation. Il ne savait pas que Jésus-Christ était le Messie qui devait venir. Vous lisez la parole de Dieu, vous manquez la révélation, vous manquez la connaissance. Et les gens ne savent pas que le Covid fait partie des signes du temps de la fin. Ceci est un avertissement sérieux, bien-aimé. Nous devons le prendre au sérieux aussi. Amen. Si vous êtes un bon lecteur de la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe sur notre planète.
Même de par l'histoire, je n'ai jamais appris une telle chose. Là où tout est aux arrêts, le monde aux arrêts, les compagnies, amen, amen, les avions, les hommes d'État confinés dans leurs maisons, les églises fermées pendant que le Saint-Esprit est là. Mais ce qui m'étonne lorsque je vois ou j'entends les hommes de Dieu dire que nous devons chasser les démons de Covid. Écoutez bien aimé, le diable ne peut arrêter le monde et arrêter aussi l'église tant que le Saint-Esprit est là. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est Dieu lui-même qui est l'auteur de tout ce que vous voyez. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout est aux arrêts. Voilà la question que je me pose. Quelle est ton attitude en lisant la parole de Dieu? Sais-tu que ce sont les signes du temps de la fin? Que après ces événements, moi je ne sais pas, dans une année, dans 10 jours, dans 10 ans, mais je sais qu'après ces événements, il y a quelque chose que le Seigneur est en train d'enseigner au monde. Mais ce que je comprends, en lisant correctement la parole de Dieu, je me dis qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Amen, amen. Il lisait la parole de Dieu, mais il ne savait pas que la personne qui faisait les miracles, c'était lui-même le Messie. Puisqu'il était docteur de la loi, c'était un homme honorable. Les gens le craignaient. Il avait une notoriété. Il a dit, je ne peux pas aller rencontrer cet homme la nuit et la journée, de peur que les gens puissent me voir. Amen, amen. Parce qu'il avait encore de l'orgueil en lui. Il a dit que j'irai le rencontrer la nuit. Je veux le voir. Je suis préoccupé. Je vois que cet homme est en train de faire des miracles. Amen, amen. Mais je suis docteur de la loi. Je connais parfaitement la parole de Dieu. Mais quel est l'esprit qui anime cet homme? Amen, amen. Il est allé rencontrer Jésus-Christ dans la nuit. Il lui pose la question. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen, amen. Il a reconnu lui-même. Parce que ce que Jésus-Christ faisait dépassait l'entendement des hommes. Dépassait aussi son entendement. Amen, amen. J'ai compris une chose. Qu'est-ce qu'il est allé chercher chez Jésus? Sûrement, il avait besoin aussi d'avoir le même pouvoir que possède Jésus-Christ pour opérer des miracles. Mais il y a une démarche à faire. Toi qui attends aussi les miracles de la part de Dieu, laisse-moi te dire qu'il y a une démarche à faire. Amen, amen. Il y a une démarche à faire. Est-ce que tu peux me dire amen pour que j'avance? Amen, amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Lui, lorsqu'il est allé rencontrer Jésus-Christ, il était préoccupé aux choses terrestres. Mais il a été recadré par Jésus-Christ. Jésus lui dit la démarche à faire, c'est d'abord commencer à chercher le royaume des cieux. Tu dois d'abord chercher les choses célestes avant de chercher les choses terrestres. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen pour que j'avance? Amen, amen. D'abord les choses célestes. Lui, il est allé chercher le miracle. Les miracles que vous voyez ici, ce sont des choses terrestres. Oui, pour avoir le miracle, il y a une démarche à faire. La démarche à faire, c'est d'abord chercher les choses célestes. Parce que les choses terrestres, Dieu nous en donne un cadeau. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Nicodème ne comprenait rien. En vérité, je te dis. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Lorsqu'il est allé rencontrer Jésus-Christ, il n'avait pas besoin qu'on lui parle du royaume de Dieu. Alors ici, je comprends. Bien qu'il était docteur de la loi, mais il ne connaissait pas Jésus-Christ. Bien que tu es pasteur, bien que tu jeûnes, tu es chrétien, tu es pape, tu n'as jamais connu Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen pour que j'avance? Bien que tu es chante, tu n'as jamais connu Jésus-Christ. C'est un docteur de la loi. Il lisait la parole de Dieu. Il enseignait la parole de Dieu. C'est un homme qui avait une grande autorité. Mais il ne connaissait pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi il a été recadré par Jésus. Jésus lui dit, d'abord le royaume des cieux. J'ai dit au pape, ça n'a rien à voir de sortir avec une croix là où on présente un homme crucifié pour prier afin de chasser le coronavirus. Mais le problème est simple, c'est de connaître Jésus-Christ. Amen, amen. Parce que le Jésus-Christ que tu présentes à la face du monde qui est à la croix, je te l'ai dit, c'est un faux Christ. Parce que notre Christ n'est plus à la croix. Il se tient à la droite du Père. En ce moment, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Amen, amen. La croix n'est pas physique, elle est spirituelle. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Amen, amen. On lui a parlé du royaume des cieux. Je te parle, toi, homme de Dieu, enfant de Dieu, avant toute chose, avant de revendiquer les miracles, d'abord, le royaume des cieux. Première démarche à faire. Si vous faites l'inverse, vous êtes en contradiction avec la parole de Dieu. Amen. Vous cherchez des miracles. Où est passé Jésus? Laisse-moi te dire que Jésus est là. C'est lui qui a permis que les COVID puissent agiter l'univers. Amen. C'est lui-même. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen pour que j'avance? Il est là, Jésus. Nous attendons le miracle de la part de Dieu. J'ai suivi plusieurs chefs d'État. Mais ce qui m'a étonné, tous les chefs d'État cherchent toujours des mesures de prévention. Aucun chef d'État ne s'est appuyé à la parole de Dieu en disant que notre pays, c'est un pays chrétien. Nous élevons un nom qui est au-dessus de COVID, c'est le nom de Jésus. Nous savons que Jésus, comme le seul espoir, j'ai dit à l'univers que Jésus n'est pas le dernier espoir. Il est le seul espoir pour l'univers. Il est le seul espoir pour l'humanité. Le seul. Il n'y en a pas deux. Le seul espoir pour l'univers. Si vous vous détournez de lui, soyez sûr que vous êtes loin de lui. Vous êtes loin de la vérité. Amen, amen. Vous devez vous approcher de la vérité. La vérité, ce n'est pas le médicament que vous fabriquez. La vérité, c'est le nom de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, auquel tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Amen, amen. Je te dis, bien-aimé, COVID fléchira ses genoux devant Jésus. D'abord, nous devons chercher le royaume. Oui, tu portes le nom du christianisme. Tu es chrétien. Mais tu n'as jamais cherché le royaume des cieux. Amen, amen. Nicodème n'a pas compris. Parce que lui, il était lié aux choses terrestres. De la même manière que les hommes d'État ne comprennent rien. Ils sont liés aux choses terrestres. Ils appellent des chercheurs chaque nuit, chaque jour, pour demander s'ils ont trouvé un remède. Laisse-moi te dire que le remède a existé avant la fondation du monde. Le remède, c'est Jésus-Christ.
pourquoi la Bible dit que c'est par ses meurtrices que nous sommes guéris. Amen, amen. Nous croyons aux œuvres de la croix. Pourquoi tu cherches les remèdes? Il est devant ta porte. Il est devant ta vie. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Dis-moi amen pour que j'avance. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Amen, amen. Ça c'est la préoccupation de Nicodème. Comment un homme? Moi je suis devenu vieux. Comment je peux encore retourner dans le ventre de ma mère? Jésus-Christ est parlé de la nouvelle naissance. Amen, amen. Il est en train de parler de la nouvelle naissance. Bien qu'il était docteur de la loi, il n'avait pas connaissance en ce qui concerne la nouvelle naissance. Bien que tu es pasteur, bien que tu es cardinal, bien que tu es évêque, mais tu ne connais rien en ce qui concerne la nouvelle naissance. Amen, amen. Vous allez à l'église par adhésion, mais on n'entre jamais à l'église par adhésion. On entre à l'église par la nouvelle naissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire amen pour que j'avance? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Les choses se compliquent encore davantage. On lui parle de la nouvelle naissance. Mais ici, Jésus-Christ va encore compliquer la situation. Si un homme n'est né de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi il était préoccupé? Tout simplement parce qu'il ne voyait que des choses terrestres. Pourquoi vous êtes préoccupé? Parce que vous vous accrochez aux choses terrestres. Amen. Mais si vous vous accrochez aux choses célestes, vous ne serez jamais préoccupé. Amen, amen. Voilà pourquoi tous les hommes d'État sont confinés chez eux. Ils sont en train de trembler. Ils ont peur. J'ai suivi le bilan aujourd'hui. 63 000 morts. C'est encore rien. L'humanité entière. Écoutez-moi aujourd'hui. Répands-toi. Répands-toi. C'est encore rien. Tu n'as encore rien vu. 63 000 morts, c'est rien. Amen, amen. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, Dieu a frappé Israël par une peste. Il a tué au moins 70 000 hommes. 70 personnes ont succombé de cette maladie. Amen. Seulement en Israël. Vous devez connaître Dieu. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour que j'avance. Oui, tu lis la parole de Dieu. Tu vas à l'église. Tu prêches la parole de Dieu. Oui. Est-ce que tu as déjà le royaume des cieux avec toi? Amen, amen. Tu peux bien lire la parole de Dieu. De la même manière avec Nicodème. Mais j'ai toujours aimé Jésus-Christ, la manière dont il était en train de recadrer cet homme. Mais c'était compliqué. Si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Je te dis ceci. Cet homme dont Dieu faisait allusion, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Tant que tu ignores la parole de Dieu, homme d'État, riche et pauvre, amen, amen. Tant que tu ignores cette parole, tu ne verras jamais le royaume des cieux. Quelle est la parole que j'ai fait à l'ISO ce matin? Ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens prêchent. Oui, il y a toujours deux paroles que j'ai toujours dit. La première, elle est liée aux choses célestes. Elle est liée aux choses célestes. La deuxième, elle est liée aux choses terrestres. Oh Dieu, il a mandaté ses hommes d'aller prêcher partout aux choses liées à Dieu, aux choses célestes et non aux choses terrestres.
Les choses terrestres, c'est un cadeau que Dieu donne. Amen. La guérison, c'est un cadeau que Dieu donne. Si tu cherches les choses célestes, est-ce que tu peux me dire amen pour que j'avance? Amen, amen, amen. Acclamons tes fonds, le roi des rois. La parole de Dieu et l'Esprit, le Saint-Esprit, les deux doivent toujours marcher ensemble. Mais les deux sont un. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Amen. Les deux sont un. Si tu reçois la parole de Dieu et tu as le Saint-Esprit, c'est alors que tu pourras voir le royaume des cieux. Amen, amen. Il ne faut pas manquer l'Esprit et il ne faut pas aussi manquer la parole de Dieu. Pas cette parole de Dieu qu'on est en train de prêcher. La parole, l'évangile de la prospérité. Mais nous voulons que les hommes de Dieu prêchent la prospérité de l'évangile. Rose l'évangile de Dieu prospère. Maximiser les hommes de Dieu pour peupler le royaume des cieux. Et non pour enrichir les enfants de Dieu, leur donner des matériels de bénédiction. Ils vont rater la vocation céleste. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen pour que j'avance? Amen, amen, amen. Acclamons tes voix pour le roi de Dieu. Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Là, la chose se complique encore. Ce qui est né de chair et chez ce qui est né de l'esprit est esprit. Écoutez bien aimé, je voudrais prendre un petit moment sur ce passage. Écoutez ce que Galates 5, 19 nous dit. Or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, les discordes, les orgies. Les orgies. Amen, amen. Ce sont des fêtes, ce sont des fêtes païennes. Hein. Les fêtes dont on est en train de louer les dieux de l'ivresse, les dieux de l'ivresse et les dieux de la débauche. Amen, amen. Maintenant la question que je pose à l'église aujourd'hui, oh, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire les conduites. Je prends le cas de la magie. C'est ça même les conduites. Les œuvres de la chair, ce qui est né de chair et chair. Voilà pourquoi aujourd'hui, les enfants de Dieu aiment s'accrocher au miracle, ne sachant pas que plusieurs miracles que vous voyez sont liés à la magie. Au lieu de s'accrocher au royaume, mais les gens s'accrochent au miracle. Jésus-Christ voulait dire à Nicodème, ne t'accroche pas au miracle, parce que les miracles, très souvent, sont liés à la magie. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu peux acclamer tes fonds le roi de roi? Il y a des gens qui savent parfaitement que leur pasteur, ce n'est pas un véritable homme de Dieu. Amen. Il est plus dans la magie. Plus dans la magie. Voilà les œuvres de la chair. Ce qui est né de chair est chair. Vous accrochez au sol terrestre. Voilà ma chair. Elle aime bien son corps. Elle aime bien s'habiller. Elle aime bien apparaître. Elle aime bien se gonfler de l'orgueil. Amen, amen. C'est ça la chair. Mais l'âme, elle est plus liée, attachée aux choses célestes. Parce que les choses terrestres ignorent l'âme. L'âme également
aussi ton âme est liée aux choses terrestres. La Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Si Dieu veut que tu prospères, mais tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Si l'état de ton âme n'est pas prospère et que tu prospères, on se rend compte que tu es lié aux choses terrestres. Pour prospérer aux choses terrestres, ton âme d'abord doit prospérer, parce que l'âme, elle est liée aux choses célestes. Quelqu'un peut me dire amen pour que j'avance? Dis-moi amen pour que j'avance. Amen, amen. Voilà, bien aimé. Mais si vous faites l'inverse, tu prospères, c'est alors que l'âme aussi va prospérer. Non, tu dois d'abord prospérer. L'âme doit d'abord prospérer pour que la chair prospère. Donc ici je comprends. C'est une connexion. C'est comme un interrupteur. L'âme, quand elle prospère, c'est comme une lumière qu'on a allumée à la chair. Automatiquement, la chair aussi prospère. Amen. Tu peux traverser fort le roi des rois. Voilà les œuvres de la chair. L'hostilité. Regardez ce qui se passe dans le monde. Toujours lié aux choses terrestres. J'ai suivi le président américain. Lorsque la Chine pleurait, c'est mort. Il a dit que c'était un virus chinois. Mais il a oublié que même les États-Unis appartiennent à un homme. Amen, amen. Aujourd'hui, regardez comment est-ce que les États-Unis pleurent, c'est mort. Amen. Le virus chinois aujourd'hui devient le virus américain. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu peux me dire amen pour que j'avance. Amen. Acclamons très fort le roi de loi. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Les œuvres de la chair sont évidentes. Amen, amen. Sont évidentes. Ce qui est né de la chair, lorsque tu te rends compte que tu te préoccupes trop aux choses terrestres, sache que tu n'as jamais cherché le royaume des cieux. Amen, amen. Tu n'as jamais cherché le royaume des cieux. Tu as fait l'inverse. Tu dois d'abord commencer par chercher les choses terrestres. Voilà les choses terrestres. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Lorsque vous savez, notre Dieu est esprit. Même les véritables adorateurs doivent l'adorer en vérité et en esprit. C'est-à-dire, pour être un véritable adorateur, tu dois d'abord naître de nouveau. La nouvelle naissance te permet d'être un véritable adorateur. Parce que c'est ton esprit qui sera en contact avec Dieu. Quand tu vas commencer à adorer Dieu, ça ne sera pas sur le plan physique, mais ça sera sur le plan spirituel. Amen. D'abord, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Es-tu sûr que tu es une nouvelle créature? La question que tu dois te poser à tout moment. Oui, tu lis la parole de Dieu parce que tu es confiné. Tu ne sais rien faire. Tu as regardé la télé. Après, à un moment donné, tu te dis, moi, je vais lire la parole de Dieu. Tu prends la parole de Dieu en second plan. Mais je voudrais te dire ceci. Quand tu prends la télé en premier plan, c'est l'idolâtrie. Tout ce que vous pouvez mettre en première position avant Dieu, c'est l'idolâtrie. Mais si vous mettez Dieu en première position, vous êtes en parfaite harmonie avec Dieu. Amen. J'ai entendu quelqu'un dire, coronavirus, c'est un mot portugais. Corona, c'est une couronne. Donc c'est une manière, quand vous parlez de coronavirus,
C'est une manière de couronner ce virus. Peu importe. Couronner ce virus, je m'en fous. Mais je sais qu'il y a un homme qui a été couronné avant la fondation du monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a été couronné dès la fondation, avant la fondation du monde. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclamons très fort le roi de l'homme. Amen. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Toujours dans Galates 5, 22. Vous allez méditer là-dessus. La Bible nous parle des œuvres de l'esprit. C'est l'amour. Regardez ce que vous voyez ici. L'amour n'y est pas. On nous dit que en politique, il n'y a que des intérêts. Les gens ne s'aiment pas. Les intérêts sont en première position. Les gens ne s'aiment pas. À cause des choses terrestres, on est en train de tuer toute une population à l'Est. À cause de l'égoïsme des gens de ce monde, des multinationales, ces gens-là acceptent d'éliminer toute une population à cause de leur ventre. Il n'y a pas d'amour. Amen. Il n'y a pas d'amour. Mais quand il y a l'amour, c'est ça même la nouvelle naissance. Ce qui est né de l'esprit. Parce qu'avant tu étais cher. Tu t'accroches aux choses terrestres. Mais lorsque tu reçois la nouvelle naissance, maintenant, tu vois que les choses terrestres sont des choses que je peux mettre en deuxième position. Mais d'abord, les choses célestes, je dois les mettre en première position. La première position, c'est l'amour. Amour envers son Dieu et amour envers son prochain. Amen. Si tu as l'amour, tu ne peux pas accepter à cause de la richesse de tuer ton frère. Tu ne peux pas accepter à cause de la richesse d'éliminer toute une nation. Amen. Même les génocides qu'il y a eu dans ce pays, dans ce monde, c'est lié toujours aux choses terrestres. Tu acceptes de tuer ton semblable à cause des choses terrestres, des choses que tu vas laisser. Cherche les choses célestes que tu vas trouver. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? J'avance, avance, avance. Amen. 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 Voilà comment il a été recadré cet homme. Verset 7. Ne t'étonne pas. Ça c'est Jésus-Christ. Que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Là, il était toujours troublé. Je cherche le miracle. Il me parle du royaume. Voilà la démarche. J'ai dit à tous ces chercheurs, présentez d'abord Jésus et le reste viendra après. Quand vous présentez Jésus, Jésus va vous inspirer les médicaments appropriés à ce virus. Amen. Sinon, l'univers va pleurer. Ces vaillants hommes, il n'y a que le Saint-Esprit qui sait. Tous les hommes d'État qui vont s'y commettre demain. Amen. Oui, soyez confinés chez vous à la maison. Mais si Dieu n'est pas pour vous, vous allez s'y commettre. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Confinez-vous chez vous. Vous allez succomber. Mais l'avertissement sérieux que Dieu nous présente, il nous donne un temps. Ce temps qu'il nous donne, c'est pour se repentir. Amen. Même les hommes, j'ai suivi. J'ai été scandalisé en suivant les papes. Il a dit que j'ai découvert un verset biblique dans le Nouveau Testament où la parole de Dieu autorise la pédophilie
Il est en train de parler d'une viande. D'une viande tendre. Jeune viande. Tendre. Amen. C'est-à-dire quoi? Tel que vous êtes là, évangéliste Blanchard. Votre femme, c'est une vieille. Elle n'est pas tendre. Il faut chercher une fille de 12 ans. Mais la manière dont papa parlait, il parlait plutôt de l'homosexualité. Comme tous ces prêtres étaient condamnés face au monde, face à la situation que vous connaissez tous, de la pédophilie. Écoutez bien aimé, il y a eu d'autres prêtres qui ont connu des problèmes dans leur pays à cause de la pédophilie. Lui, il a légitimé cet acte d'une manière officielle en disant qu'il y a un passage biblique. Voilà après cette annonce. Avant d'avoir cette annonce, il y a eu un grand rassemblement des homosexuels en Italie. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Italie est en train de pleurer. Italie, répands-toi. Répands-toi. Tu n'as pas encore pleuré. Tu vas encore pleurer. Parce que tu as accepté sur ton sol le rassemblement des homosexuels. Tu as accepté cette annonce de pape en légitimant la pédophilie. C'est contre la parole de Dieu. C'est une abomination. Vous avez mis Dieu en colère. Voilà pourquoi il est en train de frapper. Si tu restes en vie, c'est tout simplement que Dieu veut que toi qui as induit beaucoup de gens en erreur, que tu passes encore à la télé, tu dois te repentir. C'est pour ta vie aussi. Si tu ne te répands pas, sache que tu mourras. L'âme qui pèse mourra. Tu mourras. Je l'ai dit. Tu mourras. On t'appelle Saint-Pé. Amen. Tu t'es dit tu es égal à Dieu. Où es-tu maintenant? Tu as disparu dans la nature. Acclamons-le pour le roi de Dieu. Un Dieu qui fuit devant une maladie. Amen. Vous les hommes de Dieu, qui appelez les enfants de Dieu, venez. Chez moi, il y a les miracles de Ticotac. Vous êtes où? Vous avez disparu dans la nature. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous n'avons pas besoin d'impacter le monde. Mais nous avons besoin de prêcher la bonne nouvelle. Impacter le monde, c'est ce que font les autres. Ils montent à la montagne, ils sont en train de remonter à la terre. Ils vont dans un matin à l'homme. A quel moment il y a un virus? Même toi aussi, tu dois te répandre. Répands-toi. En ce moment, le seul message que nous devons prêcher à l'humanité, c'est Jésus-Christ. Amen. Le royaume des cieux. Pas d'autre chose. Même si vous allez mourir demain, à cause de ce virus, sachez que c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Mais au moins tu as gagné quelque chose. Tu as gagné le royaume des cieux. Mais si tu meurs, tu iras où? Tu vas tout perdre. Les maisons que tu as construites, tu vas tout perdre. Si quelqu'est d'accord avec moi, qu'il acclame tes fonds le roi des rois. Acclame tes fonds le roi des rois. Tout cet enseignement a compliqué les docteurs de la loi. Leur vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Coronavirus, c'est un vent qui est en train de souffler. On ne sait pas d'où il est venu et d'où il va. Mais ce que j'ai aimé,
que j'ai aimé la réflexion de Jésus. Mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il est comme un vent. Si coronavirus est un vent, les enfants de Dieu aussi. Il a regardé Daniel. Il a dit comme c'est mon fils. Moi je suis le lion de la tribu de Juda. Il est face à un lion. Lui aussi devient un lion. Les lions voyaient son collègue lion. Amen. C'était impossible de manger un autre lion. Covid sera dans l'incapacité d'atteindre les enfants de Dieu, nés de nouveau, parce qu'ils sont esprits. Amen. Quelqu'un peut acclamer ses fondements. Yes. Nicodème nous dit, Nicodème a l'obé. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, mais tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen. Mais tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Qu'est-ce que tu prêches aux enfants de Dieu? Le matériel, la bénédiction, tu ne sais pas ces choses. Pourquoi tu paniques? Amen. Pourquoi tu trembles? Non. Tu dois avoir la connaissance parfaite de toutes ces choses. Amen. Je vois dans la vie Nicodème. La vie de ceux qui t'ont mazoma dit ta voix. Ah, il est que la question. Ce n'était pas facile. Amen, amen. Ce n'était pas facile. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Yes. Amen. Amen. Acclamons-toi pour le roi des rois. Amen. 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 Pendant qu'il parlait des choses terrestres, il n'y a que lui qui peut parler des choses terrestres. Amen. Amen. Il n'y a que lui qui peut parler des choses terrestres. Pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu parle des choses célestes. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout vous sera donné par-dessus. Les par-dessus. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut parler des par-dessus. Les par-dessus est lié aux choses terrestres. Mais le royaume est lié aux choses célestes. Amen. Je vous ai parlé des choses terrestres. Vous ne m'avez pas compris. Quelles étaient ces choses terrestres? C'était des miracles qu'il faisait. Mais les gens n'ont pas compris. Mais lorsque je vous parlerai des choses célestes, qu'est-ce que vous allez comprendre? Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce fond? Jésus lui dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est lui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. On reprend. Amen. Amen. Soyez attentifs. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils d'homme qui est dans le ciel. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer ton colo? Si
C'était mystérieux. Il a voulu dire ceci. Tout ce que Esaïe a dit. Amen. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Ce fils, on va l'appeler qui? Admirable conseiller. C'est lui-même le Saint-Esprit. Le même fils, il est le Père éternel. Il a voulu dire à Nicodème, le fils que vous voyez, c'est lui qui est venu du ciel. C'est le même fils qui est Dieu dans le ciel. Amen, amen. Le fils, il vient pour sauver l'humanité. Amen. Je te dis ceci. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Vous qui m'écoutez, vous qui m'entendez, sachez une chose, le nom de notre Dieu, l'architecte de l'univers, ce n'est pas celui que vous parlez dans vos loges de franc-maçonnerie, mais c'est Dieu qui porte le nom de Jésus. C'est lui le patron de l'univers. Amen. Amen. Repentez-vous. Écoutez ce qu'Ézéchiel 33 nous dit. Nous prenons nos Bibles. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, verset 30. Ézéchiel 33, verset 30. Amen. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Toi, fils d'homme, les gens de ton peuple s'entretiennent de toi le long de murs et aux portes de maison et se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc écouter quelle est la parole qui provient de l'Éternel. Toi, fils d'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes de maison, et ils disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc écouter quelle est la parole qui est prêchée de l'Éternel. Amen, amen. Les gens se disent au nom de lui, écoutez, nous allons écouter la parole qui est prêchée de l'Éternel, et ils se rendent en foule auprès de toi. Là, Dieu est en train de parler à des hommes de Dieu. Ils se rendent en foule dans vos églises parce que on a rendu témoignage. Ils viennent pour écouter la parole de Dieu. Tous les fidèles que vous voyez, ils ont leurs églises, ils ont leurs pasteurs. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple assassin devant toi, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Amen. Amen. Quelque part, la mettre pour le roi des rois. Ils ne le mettent pas en pratique. Ils viennent écouter la parole. Ils écoutent la parole de Dieu. Mais ces gens-là ne mettent pas en pratique cette parole. Amen, amen. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Regarde, lorsqu'on prêche la parole de Dieu à des hommes d'État, même les hommes d'État ont leur pasteur. Mais quand il est à l'église, il écoute la parole de Dieu, c'est comme de la mélodie. Il pense que son pasteur, c'est un chanteur. Il chante très bien, mais il n'aime pas le mettre en pratique. Amen. Il se livre à la moquerie. Et leur cœur se livre à la cupidité. Ce sont des gens qui sont cupides. Ils viennent à l'église. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils ne les mettent pas en pratique.
Notre pasteur a bien prêché. Aujourd'hui, il a très bien prêché. Aujourd'hui, il a prié pour les malades. Moi, j'étais malade. J'ai reçu la guérison. Aujourd'hui, il a fait ceci. Mais quand il sort de l'église, c'est une autre vie. Amen. Amen. Ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont écouté. Amen, amen, amen. Voilà les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Regardez comment ils se comportent. Ils se livrent à la cupidité. Amen. Est-ce que tu peux acclamer tes fonds de voix? Toi qui m'écoutes, je t'annonce que Christ revient bientôt. Amen, amen, amen. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Nous allons terminer avec la conversation de Nicodème. Amen. Christ revient bientôt. N'entre pas à l'église pour rentrer seulement. Mais tout ce qu'on te prêche, tu dois les mettre en pratique. Tu dois les mettre en pratique. Amen, amen, amen. Si tu ne les mets pas en pratique, sachez que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Amen. Verset 13 de Nicodème. De l'histoire de Jésus avec Nicodème. Verset 14. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Nous devons élever le Fils de l'homme. Seul le Fils de l'homme peut faire quelque chose pour ta vie. Même en ce qui concerne la guérison, seul le Fils de l'homme, nous devons le mettre en pleine position. Amen, amen, amen. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Si vous voulez la vie éternelle, vous devez croire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous devez croire en lui. Il est le Fils de Dieu. Il est le Dieu éternel. Vous devez croire en lui. En lui. Vous devez vous repentir. Amen. 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 Repentez-vous. Nous allons prier. Alléluia. Toi qui me suis, je sais que peut-être tu es comme Nicodème. Tu lis la parole de Dieu. Mais tu ne sais pas déchiffrer le temps, les signes du temps de la fin. Tu lis la parole de Dieu, mais tu ne cherches pas le royaume des cieux. Tu lis la parole de Dieu, tu revendiques les miracles en disant que tu es chrétien. Laisse-moi te dire, tu es comme Nicodème. Nicodème qui est allé chercher Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas dire à Dieu, nous allons nous tenir debout là-haut. Dis à Dieu, c'est le moment pour moi d'avancer avec toi. Je sais que tu reviens bientôt. La Bible dit que tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Nous devons nous préparer à l'enlèvement. Oui, nous savons que c'est un avertissement sérieux. C'est un avertissement. Quelle est la position que j'occupe maintenant? Quelle est la vie que je mène maintenant? Quelle est la vie que je mène? Chacun doit examiner sa vie. Parle à ton cœur. Président de la République. Roi. Premier ministre. Membre du gouvernement, les officiers généraux, supérieurs, subalternes, les soldats, écoutez-moi ce que je vous dis aujourd'hui. Répentez-vous. Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Homme de Dieu, docteur de la parole, prophète, pasteur, évangéliste, répentez-vous. Il revient bientôt. Chrétien, chrétienne, répentez-vous. Toute l'humanité, répands-toi. 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 Il revient bientôt. Commence à examiner ta vie. Quelle est la vie que tu
humaine. Une vie de doublure. Où tu manques l'amour. Où tu manques la patience. Où tu ne crois jamais que Jésus-Christ est Seigneur. Où tu ne crois jamais qu'il revient bientôt. Mais la Bible dit, les brebis de Dieu les connaissent. Ils entendent sa voix et les suivent. Je sais qu'il y a des brebis. Quand je parle de brebis, je vois la prédestination. Amen. La prédestination. Toutes les brebis de Dieu. Même si vous êtes égaré aujourd'hui, même si vous vivez dans la magie, même si vous vivez dans l'occultisme, même si vous êtes un pécheur, même si vous êtes un féticheur, mais du fait que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes la brebis de Dieu, vous connaissez sa voix, ne me voyez pas, mais sachez que c'est l'Esprit qui parle en moi. Dieu a besoin des âmes. Il a besoin des âmes. Il a besoin que les gens cherchent les royaumes des cieux. Laissez des futilités. Ignorez les choses terrestres. Ne vous accrochez pas aux choses terrestres. Accrochez-vous aux choses célestes. Cessez l'hostilité. Vous vous battez pour rien. Pour des choses terrestres. Cessez les orgies. Toutes ces fêtes païennes. Comme aujourd'hui. C'était une fête des rameaux. C'est une fête païenne. Ce n'est pas une fête biblique. Cessez toutes ces choses. Là où vous élevez les dieux de l'ivresse et de la débauche avec un débordement terrible. Homosexuel, vous êtes en abomination avec Christ. Répondez-vous. Lesbienne, vous êtes en abomination avec Jésus. Répondez-vous. Répondez-vous. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Si tu le crois, je voudrais dire à une personne qui peut commencer à réparer avec Jésus. Alléluia. Toi qui m'écoutes, peut-être tu ne sais pas prier, mais tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. La Bible dit, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur Jésus, j'amène la haine à la croix. J'amène l'hostilité à la croix. J'amène l'idolâtrie à la croix. J'amène les orgies à la croix. J'amène la jalousie à la croix. Aujourd'hui, peut-être c'est mon jour. Je voudrais réparer avec toi. Je suis ton fils. Regarde la vie que je mène. Une vie de mensonge. Une vie d'impudicité. D'idolâtrie. Je voudrais mettre fin à cette vie. Seigneur Jésus, tu es l'amour. Donne-moi l'esprit d'amour. Seigneur Jésus, je vais te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je vais tout abandonner. Les choses terrestres. Les choses terrestres. Je veux m'accrocher aux choses célestes. Oh mon Dieu, me voici à la croix, fatigué. Je vis dans l'amertume, dans la confusion. J'ai peur de cette pandémie. J'ai peur de cette pandémie. Mais je veux marcher dans la crainte de ta parole. Je vis dans l'impudicité. Je vis dans l'adultère, dans la débauche, dans la fornication. Aujourd'hui, je vais tout abandonner à la croix. Je vais tout abandonner à la croix. Je vis dans des conflits inutiles. Je vais tout abandonner à la croix. Aide-moi.
sur moi. Aide-moi. C'est mon jour aujourd'hui. C'est mon jour. Je vais réparer avec toi. Merci mon Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Yeah.
que nous avons un Dieu qui guérit, il s'appelle Jéhovah Rapha. Voilà pourquoi ensemble comme un sérum, tous les amis sont votre bonité. Mais quand tu t'en es dit que nous avons un Dieu qui guérit, un Dieu miraculeux. Alléluia. Jésus. Alléluia.